Alors il y a quelqu'un ici qui espère que c'est non, c'est Emmanuel non, Le Chypre non, non, Tu arrêtes, tu dis que ami, moi, de, de Non de mais, de mais es es espér... non, attends, 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 Moi je n'espère pas que c'est non. Je dis que enfin il a pas un joueur qui a bénéficié d'autant d'attention autour duquel on a fait autant de cas que Karim Benzema. Et tout ce que dit Daniel, c'est comme si finalement l'équipe de France au cours des dernières années, c'était privé d'un génie du foot, etc. Moi ce que je constate, c'est que il y a des tas de joueurs qui ont été des génies par exemple et adulés dans leur club, qui étaient des personnes Incroyable, je pense à Eric Cantona quand il était à Manchester United, euh, et même prenons des joueurs comme Anelka quand il était à Arsenal, etc., et Karim Benzema au Madrid qui n'ont rien fait en équipe de France, qui n'ont rien apporté à l'équipe de France. Parce que moi je raisonne, alors pas du tout en spécialiste du foot, je raisonne en DRH. Moi je me dis quoi pour faire une équipe, il faut certes des qualités, des compétences. C'est bien de savoir jouer au ballon pour être en équipe de France, ça vaut mieux d'ailleurs, mais il n'y a pas que ça. C'est quel agent d'ambiance vous êtes, est-ce que vous êtes fédérateur ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui clivent les gens, qu'est-ce que vous apportez au groupe Est-ce que vous vous entendez avec le patron Parce que je suis désolé, mais ça compte. Quand c'est Didier Deschamps le patron, c'est normal qu'il prenne des gens avec qui il pense qu'il va qu va bien s'entendre. Et moi qu'est-ce que je vois, c'est que quand l'équipe de France avait des fortes têtes, et eh ben ça, ça on gagnait rien et que quand on a fait des groupes, des blocs, des équipes avec peut-être des joueurs dont aucune tête ne dépasse, on a gagné. Mais, mais, Manuel, voilà. Emmanuel. Donc moi je dis que Benzema, il a pas manqué à l'équipe de France qui a presque tout gagné. Parce dans les années où il n'était oui, pas Emmanuel, là. En fait, il voilà. y, y a des choses dans ce que tu dis qui, est, qui sont vraies, qu'on peut entendre. L'équipe de France a été championne d'Europe et a fait finale de l'Euro sans lui. Aujourd'hui... Et championne du monde. Oui, c'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit, as dit cha championne d'Europe. Finaliste de ouais. l'Euro, championne, championne, championne du et, monde. Et, et, et championne du monde. Pas mal. Absolument. Aujourd'hui, il euh, n'y a rien qui devrait empêcher Benzema de revenir euh, à partir du moment où il a fait le premier pas vers euh, des champs. Parce ouais. que si je suis ton raisonnement de, de DRH... À partir du moment où l'employé fait un pas vers le patron pour lui dire il n'y a pas de problème, et qu'auparavant ils avaient une relation qui était très forte, ils avaient vraiment une très très bonne relation. Si euh, le différent est aplani, pourquoi il ne reviendrait pas Parce que ce n'est pas parce que tu as gagné sans lui que tu vas continuer à gagner sans lui. D'autant qu'aujourd'hui, si tu raisonnes simplement en termes sportifs et non plus en DRH, puisque je t'ai répondu sur ce point-là, aujourd'hui Giroud est en grande perte de vitesse mmh. et que. Si t'es sélectionneur et donc DRH, pour continuer ton exemple, envisager une attaque Griezmann, Mbappé, Benzema, ça a quand même beaucoup d'allure. Ben, tu vas voir que c'est pour ça qu'il va le faire. Donc, mais <laughs> mais c'est ce qui s'appelle. Ah, ce qui le type qui dit tout et qui comprend pas C'est ce qui s'appelle, hein, monsieur, monsieur Le Chip, vous spécialiste de l'économie, de l'opportunisme. Mais je suis d'accord. l'opportunisme, c'est pas un gros mot pour mais moi. Mais pas de l'opportunisme. c'est pas péjoratif dans ma bouche. C'est vrai, c'est rationnel, là, si je comprends bien. Mais Daniel, n'oublie pas. Des champs constatants. D'abord, je pense. On aura le fin mot de l'explication qu'il y a eu entre les deux. Mais aujourd'hui, avant d'aborder l'euro, constater l'état de forme de Benzema, qui, attention, n'a jamais été, je ne t'ai pas répondu sur ce point, n'a jamais été une forte tête. Contrairement à ce que beaucoup... Tu sais, il y a, y, a, y, a y a une énorme légende autour de Benzema. Il y a beaucoup de gens dans la population, si tu, leur, si tu leur poses la question, ils te disent que Benzema était à Naïsna. C'est le plus grand drame ouais, de l'histoire ouais, ouais, du, du Sud. C'est très bizarre, hein tu parles du, du, du car là, le, ça? Le, le bus. Le ouais. bus ouais. Mais il n'y était pas. Il n'était pas à cette Coupe du Monde. Il y a des gens qui pensent qu'ils qu une sorte d'avis sur lui, comme quoi c'est une forte tête, un mec qui sort un peu dans le groupe du lot et tout ça, alors, alors qu'il n'y était pas. Il, il a pas réellement ce caractère-là. Ses années au Real Madrid ont plutôt montré un mec d'abord un peu dans l'ombre, qui petit à petit a est devenu très important dans le groupe au point de devenir aujourd'hui l'un des leaders leader d'un des clubs les plus importants au monde. Assurément, il a beaucoup de choses à apporter à l'équipe de France à un moment où celui qui a été le numéro 9 des champions du monde est quand même très fatigué, Mais... il ne joue plus du tout.